Eh bien, bonjour à tous, c'est Hydro, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. On se retrouve pour un nouveau gameplay sur Black Ops 3. Alors, je vais jouer à l'arme cette fois-ci. Donc, je vais changer de spécialiste. Je ne sais pas, pointe de choc, turbo, on s'en fout. Glitch, tempête, machine de guerre, on s'en bat les couilles. Annihilateur, concentration, déclenche la mule. Ah, je pensais que c'était concentration. Réapparition. Ta 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 ta, ça c'est vraiment cheaté, mais je pense que je vais pas réussir à l'utiliser. Donc, tempête, c'est quoi ça? Arme, attire, chargée, libérant un arc électrique qui foudroie mortellement les ennemis. C'est probablement les ennemis proches. J'aime pas ce truc, j'aime pas quand on me tue avec, donc je vais pas le mettre. On va mettre annihilateur. Donc voilà, c'est un petit flingue qui one shot, donc c'est pas mal. Série de points, on va laisser comme ça. J'ai mis les raps. Ah non, on va mettre Hatter. Tiens, j'ai débloqué Hatter, donc on va mettre Hatter. Oui, les niveaux ont été up. Donc il y a une nouvelle map aussi. Donc je vais essayer de tomber dessus. C'est vraiment pas sûr que je tombe dessus, mais avec un peu de chance, pourquoi pas. Ça s'appelle Stronghold. Ah bah non, je suis tombé sur Evac. Donc si la game est bien commencée, on essaiera de relancer notre game en espérant tomber sur Stronghold, qui est une map enneigée en fait. Donc, de toute façon, dans chaque Call of, il y a tout le temps une map enneigée, donc c'est bien connu maintenant. Voilà, donc domination, évac, c'est parti, on va jouer avec la Razorback. Donc, pour l'instant, j'ai que la poignée ergonomique dessus. Mais on va essayer de débloquer un petit peu d'autres accessoires, quoi. Il y a un mec là, mais bon, il vient de tomber là, comme une grosse merde. On va essayer de prendre B parce que là, ils sont bien dominés, mes potes là. Du coup, c'est pas cool du tout. Ah, ça a touché. Bon, j'ai pas un shoot de PGM hein, à l'arme. Je vous le dis direct parce que hein, moi j'ai l'habitude de jouer au sniper. Bon, bah voilà, manche perdue. J'ai l'habitude de jouer au sniper, donc c'est vrai que l'arme c'est assez différent quand même. Donc voilà, c'est moi qui me prends un killcam, bien sûr, hein, sinon ça serait pas drôle. Et l'autre il est avec sa M8 à 7, donc en gros c'est la M8 à 1 de BO2, c'est une tir à rafale quoi. Je crois que c'est 4 coups, hein, comme la M8 à 1. Bon bah voilà, wow, c'était bugué là les munitions, genre j'avais 999, je sais pas si vous avez vu. Mais bon voilà, c'était bugué, mais c'est qu'une bêta en même temps, c'est normal qu'il y ait quelques petits problèmes de temps en temps. Mais bon, rien de grave puisque ça s'est remis normalement quoi. Genre je l'ai pas eu quoi. J'ai tout tiré dans sa tête hein. J'ai l'impression que moi quand je joue à l'arme, je dois tirer mes 40 balles limite. Mais que eux quand je joue à l'arme, oh, ils me tirent 3-4 balles et puis ça suffit quoi hein. C'est vraiment ça qui est chiant. Mais ça c'est, je crois que c'est dans tous les Call of hein. À chaque fois que je joue à l'arme, je sais pas, je mets beaucoup plus de balles que les autres. Après ça dépend peut-être de ma connexion, je ne sais pas du tout. Mais l'autre connard, j'ai envie de jouer au snipe juste pour le défoncer là, mais. Ah bah c'est bon, il est mort. Oh putain, il a utilisé un truc là. Barreau d'honneur, ça s'appelle. Enfin, ça s'appelle pas barreau d'honneur, mais en gros, c'est le barreau d'honneur de BO2 quoi. C'est une série de points. Enfin, sur BO2, c'était une série de points, je crois. Enfin, en fait, non, une série de morts ou un truc comme ça. En fait, au bout d'un moment, si tu mourais 5 fois de suite, je crois, un truc comme ça, bah tu débloquais. En fait, quand tu mourais, bah, tu débloquais un truc comme ça. Ce qui te permettait, en fait, de vivre un peu plus longtemps. Enfin, en fait, tu mourais pas complètement. T'avais une deuxième chance de vivre, en fait. Mais bon, c'était un peu casse-couille. Même beaucoup casse-couille. Bref, les mecs, là, faudrait peut-être prendre des points si vous voulez gagner. Hein. Je sais pas, je dis ça comme ça, mais hein, moi, je veux bien capturer des points, mais bon. Oh putain, mais il te faut combien de balles? Bon, on va essayer l'annihilateur. Donc voilà, c'est un petit flingue comme ça qui one shot. Donc c'est pas mal. On va rush hein, vu qu'on est à l'arme. Enfin, on a un petit truc spécial. Putain de merde, qu'est-ce que tu branles là, toi? C'est fou. Le mec est clairement dans notre spawn et je spawn à côté, hein.
Je n'ai point de shoot. Storm ennemi lancé. Mais le mec il était où? Il était sur le toit ou quoi? Je pensais même pas qu'on pouvait aller sur le toit à ce niveau là quoi. Putain, j'ai failli créer Clams comme une grosse merde là. Bon je m'en fous, j'en ai eu un, hein. Vous allez pas me faire chier, déjà j'en ai un, c'est très bien. Mais bon, on va bien faire une petite série tranquillo quoi. Ah, j'en tue deux maintenant, peut-être trois pour la prochaine. Hein. C'est, faut garder espoir. Sécurisation de B. Sécurisation de A. Est-ce que je t'ai mis toi? Je crois qu'il spawn là-bas, mais. On va perdre C. Allez monte là-dedans. Po. Ouais, j'en ai tué trois maintenant. Ouais, et je meurs en plus. Maintenant, peut-être 4. Hein. Faut garder espoir. Je m'améliore. Putain, en fait, non. Bon, de toute façon, c'est fini parce que c'est des grosses merdes qui prennent pas les points. Donc du coup voilà, c'est fini. Alors, 15-15, je trouve que c'est pas mal pour moi hein, parce que moi je suis une grosse merde à l'arme. Non mais bon on va essayer de faire mieux, parce que là franchement c'est pas top. On va essayer de faire un peu mieux que ça quand même. Du coup on va essayer de trouver Stronghold et puis je vous reprends juste après. La mission a échoué, battez-vous mieux la prochaine fois. Vu ce qu'on a fait, on ne méritait pas de gagner. Et donc nous revoilà sur Stronghold en domination. Donc on va encore jouer à la, je sais plus comment elle s'appelle, mais la mitraillette. Je sais plus, je me rappelle plus du nom. Pourtant ça fait pas longtemps que j'ai joué avec, mais la Razorback, voilà Razorback. Poignée plus poignée ergo. J'ai débloqué la poignée ergo dans la partie juste avant, donc celle qu'on vient de faire. Mais voilà. Toc, 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 toc. Donc je pense qu'ils vont venir par là là, mais je suis pas sûr. Bon, ils n'ont pas l'air de venir vraiment par ici. Mais je leur mets des balles quand même hein, mais non. Alors lui il fait un peu de bruit quand même, j'ai le mute. Hop, merci. Hop, parce qu'il me casse un peu la tête. Double. Hop, on va faire le bac par ici en espérant de trouver quelques personnes. Ouh, il y a du monde. Comment sais-tu que j'arrive? Ils doivent avoir un drone, c'est pas possible autrement. Bien joué. Ah je vais que... Attends, le mec tire avant que j'arrive quoi. Je sais pas comment il a fait ça. Mais je m'étais accroupi hein. Adios.
Oh, je me suis fait calmer là au snipe. Alpha verrouillé. On va perdre Charlie. Confirmé. L'ennemi possède Charlie. Annihilateur paré. Oh là là là, triple! Oh, j'aurais pas pu mettre la collate, espèce de con. Oh putain! J'aurais trop aimé te la mettre. Drone, et j'ai le missile. Putain, enculé de merde. Michel Storm. Oh my god, y'a du monde! Allez, petite quad! Donc là, la voie est libre, j'ai le temps d'aller jusqu'ici, normalement, et de viser ici pour attendre les ennemis. Ah bah tiens, y'en a un là. Bon, je me débrouille mieux que la partie d'avant, je trouve, quand même, non? Ouais, je fais du 18-7. Bon, j'ai eu un missile Storm où je fais une quad avec, mais je trouve que je me débrouille plutôt mieux qu'avant, quand même. C'est, je progresse, la progression... Il me semble qu'il y a un ennemi quelque part par là. Ah, bien joué. Il était déjà passé, je ne savais point. Hop, du coup, on leur fait leur petit bike tranquillement. Hop, toi tu dégages, Coco. Hop. Drone ennemi en approche. Hop. Batterie à plat. C'est fini. Hop. On sécurise, bravo. Cible abattue. Batterie à plat. Je fais tellement de la merde. Drone prêt pour déploiement. Je confirme. Je sais même pas comment j'ai fait pour pas mourir là. Bon, je dois être en seuil de 3-4. On va essayer de redébloquer le missile Storm pour pouvoir refaire plein de kills. Et puis voilà, je carry bien la game là, 24-8 franchement. Bon, on s'est défoncé niveau niveau points, mais bon, j'ai pas trop envie de jouer les points. Puis voilà quoi. J'ai envie de plus envie de faire des kills et essayer de m'amuser en les défonçant quoi. Ouais, il doit me rester, ouais. Oh non, un kill à faire et j'ai le missile Storm. Donc on va essayer de faire ce petit kill. Quoique en prenant ça, peut-être que j'aurai 100 points. C'est pas sûr, mais. Bon, 50 points les PD. Du coup, on va passer par là parce que je sens qu'ils vont. Qu'ils vont bien m'attendre sinon. Ah bah tiens, il y en a un qui arrive. Voilà, nickel. Donc on va activer le Storm direct. Oh merde, il vient de mettre les sommes. C'est pas grave. Je sais pas ce que j'ai fait, j'en ai tué qu'un. Mais c'est pas grave, c'est déjà ça, hein. Parce que je les voyais pas sur la map, je sais pas du tout où ils étaient. On va réactiver ça. Clac. J'aime pas trop l'alignateur, j'ai pas confiance du tout en l'arme. Wow, c'était un mec ça, ouais. J'ai vraiment pas une confiance sereine en cette arme. Je suis vraiment pas serein là. Ah, vous voyez, j'étais sur lui hein. Et je sais pas pourquoi, j'avais pas confiance et voilà, j'ai eu raison parce que. Parce que voilà, j'ai réussi à le louper quoi. Putain, l'aide à la visée, elle est énorme là-dessus. Oh, qu'est-ce que tu faisais derrière moi toi? Je t'ai pas demandé de venir derrière moi là. On va perdre, bravo. Hop, on va aller capturer ces. Oh, je t'ai mis un petit jump toi. T'as pas compris ce qui t'arrivait hein. Alors. Colis stratégique ennemi dans les airs. Hellstorm allié en approche. Il te manquait 3 balles. Ouh putain, il a fait un carnage lui.
Eh ouais, c'était sûr que t'allais te mettre derrière ça. T'es con. Oh putain! Je pensais que je l'avais vu alors j'étais allé sur l'autre. Mais finalement je l'avais pas eu donc c'est un petit peu badant. Hop, on va prendre ça. Oh quel enculé! Eh, c'était mon kill! C'était tout de suite beaucoup moins maniable, ça doit être un fusil d'assaut ça. Manowar. Mais ça a l'air de faire pas mal de dégâts quand même, donc c'est plutôt sympa. Tous les lieux sont sécurisés. Tenez vos positions. Hop, on va remettre un petit drone histoire de voir un peu plus ce qui se passe sur la map parce que là je comprends rien. Il se passe pas grand chose donc c'est un peu casse-couille. Hop, on va repasser. Oh, je sais même pas où aller là, je pense que je vais aller sur le côté là. Ah, j'ai un petit missile Hellstorm. HCXD ennemi dans votre secteur. Drone en approche. 100% retour à la base. Nomade mort. Drone ennemi repéré. On va se mettre là vite fait, même si j'ai vu qu'il y en avait un qui arrivait. C'est tant pis, hein, on va essayer de. Ah bah l'enculé, tu sais, il a attendu que j'ai fini. Limite. C'est vraiment des connards les mecs qui font ça, c'est bien pour se faire rager là. Hellstorm ennemi lancé. Ah c'était sûr que c'était sur moi. Tout le temps sur moi j'ai l'impression, tu sais ils sont 4 à accrocher là ensemble. Et ben non moi je suis tout seul et ils vont tirer sur moi t'sais. Mais c'est dingue ça. Je l'ai déjà mis rouge, j'arrive, je le mets encore plus rouge. Et puis bah non. Non, je ne veux pas mourir. Quel enculé, putain. Je suis un peu solo ici, j'ai pas trop confiance là. Et voilà. Putain, c'est fou. Hein. J'ai prédit à venir, quoi. J'ai pas trop confiance et bim, il y a un mec qui arrive et qui me défonce la gueule. Drone ennemi en approche. Je savais qu'il était là. Mais attends, il met 3 balles lui. Je le pré-shot et il met 3 balles par personne. Et boum, il fait la quad. Et là, tranquillou, on fait la quad, on s'en bat les couilles. L'autre il m'a mis 2 rafales de je ne sais quoi. Hop, on va aller faire le bas. Oh putain, j'ai cru que j'allais pas m'accrocher, j'ai flippé. Tiens, connard là. T'apprendras à camper comme une grosse salope. Hop, toi tu dégages. On va retourner là-dedans. Putain, je savais qu'il y avait un connard derrière. 41-20, franchement, on fait un bon score. Hein. 2 de ratio, c'est plutôt pas mal, moi j'aime bien. Attends, mais prends tes balles peut-être un jour, non? Mec, j'ai dû tirer 40 balles avant qu'ils prennent la première balle. Bon, je suis un peu marseillais, mais. Mais oui, c'est sûr, hein. Mais attendez, je lui mets un chargeur dessus. Et encore, je tire dans la tête, hein. Oh putain, il y a les raps ou je sais pas quoi là. On va perdre à... Ça, ça fait mal ce bordel, les raps. Bon, 44-22, franchement, ça me fait super plaisir de faire un petit 2 de ratio à l'arme là. Franchement, c'est pas souvent que j'arrive à bien gérer l'arme. Bon, après, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple quand tu sais gérer l'arme que le sniper. Mais bon, voilà, parce que surtout qu'il n'y a pas robustesse sur Scalaf quoi. Ça serait vraiment bien qu'il rajoute, mais bon, ça m'étonnerait qu'il rajoute quand même.
Bon voilà, je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, à commenter. Et puis voilà. Bisous à tous. Allez, ciao!